2012, 20 years after the Arts Summit in Rio, in Brazil, the international community reaffirmed its commitment to take up the challenge to address the world's concerns for the next 20 years. According to reports, 884 million people worldwide still do not have access to safe drinking water, and 2.6 billion lack access to basic sanitation services such as toilets or latrines. The challenges to be taken up in the various countries and regions around the world are great concerns in West Africa, and Senegal is no exception. Access to clean water, proper sanitation, the green economy, and good environmental governance are concerns, especially for vulnerable communities. Pour atteindre de manière efficace les populations marginalisées pauvres, nous sommes concentrés dans la région de Diourbel pour ce qui concerne l'accès à l'eau à partir des forages et dans les îles du Salon pour ce qui concerne l'assainissement. Nous nous sommes rendus compte que la demande était très forte dans ces zones. The situation is alarming in poor communities. The lack of water and sanitation results to the appearance of waterborne diseases. Le projet vise à améliorer le cadre de vie des populations. Bon, puisque vous savez, c'est un quartier périphérique et aussi c'est un quartier qui est un peu pauvre. Et vraiment, la pauvreté est un peu aiguë dans ce quartier. C'est pourquoi nous avions l'objectif vraiment de construire ces latrines dans ce quartier. Parce que souvent, on voyait que les gens se faisaient leurs toilettes dans les rues, surtout les nuits, et même dans les maisons. Bon, parce qu'il n'y a pas assez de latrines traditionnelles ou modernes. C'est pourquoi le projet de Microfem, vous avez appuyé pour la construction de 75 latrines à Diourbel. Et ces latrines étaient composées de 3 canaries. La première canarie, bon, c'était le réceptacle, et la deuxième canarie, bon, c'est là où on faisait la décomposition des déchets. Et maintenant, le troisième canarie, c'était le pipeur d'eau. Maintenant, c'est là où se versait l'eau. En 1996, il y avait déjà ici une épidémie de choléra. Quand c'est déclenché quelque part, cela veut dire qu'il y a un déficit au niveau de la salubrité dans le village. Et on a vu qu'il y avait également beaucoup de maladies diarrhéiques, surtout des maladies dysentériques, des diarrhées à shigellose, des diarrhées amibiennes qu'on retrouvait vers ces zones-là. Less productivity in agriculture and cattle breeding, more housework for women, a larger number of girls dropping out of school, an increasing number of conflicts between women around the water points, the massive exodus of people to other areas, and the consequences this entails.
La stratégie a consisté à travailler de manière très étroite avec les chefs de service hydrauliques au niveau régional pour qu'ils nous indiquent quels sont les villages qui sont polarisés par un forage mais qui n'ont pas eu accès à l'eau potable. La seule condition, c'est qu'il appartenait aux villageois de creuser du forage jusqu'à leur village, c'est leur apport personnel. Et à partir de là maintenant, le projet paye les canalisations, la bonne fontaine, le renforcement des capacités. C'était des populations qui étaient confrontées à d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau. Elles étaient obligées de parcourir des 3 à 4 km pour aller chercher l'eau. C'est le cas par exemple de Kelembeli où les gens étaient obligés de venir à Koubé. Ou alors elles devaient faire recours à des puits profonds avec tous les risques liés à la qualité de l'eau. Lata ñuy mut ndox dañuy fanantel. Dañ daan fanantel. Ginaaw gi ñuy tak sare di dem tax. Di roti di ñew. Fekk na ñu maran lool ndax suñu forage va pas non depuis 2007. Nab bi mo jeex. On sait qu'au niveau de l'arrondissement de Niojor, la pluviométrie annuelle tourne entre 500 et 6000 mm. On savait qu'il y avait de l'eau qu'on pouvait récupérer. Et le projet nous a permis, au niveau des îles de Falia, de Moundé et Djinde, d'installer des cuves d'à près de 10 000 mètres cubes qui nous ont permis de capter en hivernage l'eau et qu'en retour cette eau est utilisée par la population. Donc en matière de leçons apprises, on sait que s'il y a un dispositif mis sur place, on peut en quelque sorte récupérer l'eau qui était en quelque sorte perdue. The program Community Water Initiative CWI was implemented in Senegal from 2007 to 2010 to help address such issues. The program was funded by the government of Luxembourg, supervised by a Global Environment Facility, and implemented by the United Nations Development Program. It aimed at improving access to clean water, sanitation, and hygiene in rural areas. Twenty-one sites were initially targeted by the program, but more than 30 villages eventually benefited from it, mainly villages in the Saloum Islands, villages on the seafront and on the mainland, outlying districts of Djourbel and other surrounding villages. En 2009-2010, réalisé na fi ay latrine ak ay ten. Ñaari ten yum gas ak ñaari ten yum réhabiliter. Latrine yi fona monton nañ une cinquantaine yo xamné dañ ko jaglé won. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, 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 je ci biir Idde Saloum lim fi def ci jangat bari na dañ doon def set setal alterné ak arhamis bu alterné joté bu 3h joté man demay genn man may ñëkë genn yoré sama kay ak sama bik femme bu nek ci groupement diso bu la 3h féké sa kër mba 4h dama lay daan alaman bo ñëwul di nga joxé 100 francs dañuy balé nak ba 5h bu 5h joté ñu arrêté. Nous avons fait des balais, des brouettes, des râteaux, des balais jardins.
ak ay siwo ñuy ané mbalit liñ ci jëlé bari nañ parce que set bi yokuna ak wër gu yaram bi ak xam xam itam jëlé nañ ko ci procès bi lim fi def pour suñ ciona deñ ci geejgi bari na lim fi def pour ñu mëna yar coquillage bi lool yépp fem jaarna ak ñun ci bor yoyu. Fatick and Djourbel are the two regions in Senegal that directly benefited from the portfolio of projects that aimed at solving access to water, hygiene and sanitation issues. En vérité, nous, notre mission s'arrêtait au suivi des travaux et à la mise en place de structures de gestion, mais à l'image de tous les projets d'alimentation en eau, vous savez que on a créé des bornes fontaines au niveau de ces villages-là. Et ces dames, par tour de rôle, qui assurent justement la vente de l'eau. Et il y a une ristourne qui est faite au niveau de ces fontainières-là. Et il y a un crédit revolving qui se fait à partir donc des ressources générées à partir de la vente de l'eau au niveau des bornes fontaines. Donc, si vous voulez, il y a eu effectivement des effets induits à l'issue de ce projet-là. Ngore de bimbala ja jangaraya Ngore de bimbala ja jangaraya Ngore de bimbala ja jangarango Ngore de bimbala ja jangara In the region of Fatick, the CWI program was implemented in the Saloum Islands. These are parts of the World Heritage Sites together with the Saloum Delta Biosphere Reserve. The Saloum Delta has been recognized as a biosphere reserve since 1981 and as wetlands of an international dimension since 1984. The strategic importance of these places is the result of the challenges local populations face daily on social, health, environmental, and economic issues. In Djourbel and Lambaye, where groundnuts are produced extensively, water shortage is the main challenge. Here, the soil has been impoverished by intensive and single crop farming, and groundnut production is declining. All these, combined with the rarefaction of green resources and biodiversity, have greatly contributed to increasing poverty and misery. Rural exodus is common in both places. Nous commençons avec le village de Marfafako. Nous sommes avec eux. Fofu ci biir dekk bi fanwéri latrine yo xamné dañ ko jaglélon ay ño xamné mënuma wax né ay néw ci doole lañu way sen katan mayu len ñu défaray latrine ci sen biir kër ñu tek ci juroom ben téen yo xamné dañ ko défon ci biir dekk bi nax bobu jamana dafa fekkon ñu am problème ndox bu sel pour luñu nané lolu doon jural askan bi ay fièvre surtout biir yu daw ñu joggé fofu ñu ñew mar sulu Marsoulou di dëkk bu ndaw bo xamné mënuñu ko wona tëggal projet à part ñu toftal ko ci Marloch biñ ko toftalé ci Marloch ñu def fa fukki latrine def fa ñaari téen toujours ci jafé jafé bima wax rek bi amone Marfafako moy ndox mu sel bu nit ñi naan luñuy jëfëndiko ci seen bir kër ya nekkon problème mu andil ñu ay jangor yu biir yu daw ak ay fièvre yo xamné ñun sax maîtriser wuñ ko won ñu ñëw marlo ci ben projet bi rek bi nga xamné mom lañu toftalon wa marsulu ñu def fa fanwéri latrine def fa juroom ben téen yo xamné bu ci né dafa fess del ak ndox mu neex dëkk bi rafetlu ko diko utiliser ba fim nek ni fi ñu taxaw ni tém tay bo fa démé moytul fekk fa ndox nit kuy rot ndox pour utiliser ko drilling restoration and disinfection of wells.
easier access to clean water thanks to their connections to the water supply net, availability of water tanks, building latrines for poor families, reforestation of many hectares of mangrove, information campaigns on diarrheal diseases, setting up water management committees. A woman from Kelembele village said the pregnant women who used to fetch water from the well do not have to do this chore anymore. We are no longer obliged to face the pain of hauling water or to walk long distances to fetch it. Women and children were those who benefited the most from this project. Before the program implementation, they had to walk 3 to 5 kilometers in search of the precious liquid. Je pense que l'impact le plus important se trouve au niveau de Yeri, parce que c'était déjà un grand centre qui avait été habitué à recevoir de l'eau à partir d'un forage existant, et il s'est trouvé que ce forage, malheureusement, est tombé en panne. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ce forage-là est en panne. N'eût été cette intervention du Fonds mondial pour l'environnement, aujourd'hui, ce serait la catastrophe. Et c'est pourquoi nous l'avons raccordé à un forage existant. N'oubliez pas qu'à un moment donné, dans la région de Durbel, il y a eu des maladies liées à l'eau, telles que le choléra. Et un des facteurs aggravants, si vous voulez, ou l'un des vecteurs en tout cas de la transmission du choléra, c'est l'eau. À partir du moment où l'eau est insalubre et que les populations sont obligées de recourir à des puits non protégés, ou alors si les populations sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour aller à la recherche de l'eau, il y a des facteurs, il y a des risques de contamination. Et ce sera pour déboucher sur, effectivement, des cas de maladies liées à l'eau. Donc disons que en termes d'impact, si vous rapportez l'investissement au nombre de populations bénéficiaires, je pense que le cas de Yeri est très très éloquent. The reforestation of several hectares of mangrove, that is Rhizophora and Avicennia, has been undertaken to promote biodiversity. Si les sauvetages, gal ak machine bo xamné buñuy dem di fori mang de jambati mangrove bi mbañu surveiller geejgi mom lañ dan yobbu mom lañuy yobbu joxé na fi carburant bo xamné ci bir financement bi mom lañuy jëndé essence buñu waré dem publicité yi. ...250 solar cookers have been distributed to promote sustainable energy and put an end to mangrove deforestation. Defecation in the open and in overwater latrines was common in the islands and used to contribute to the pollution of beaches. This stopped thanks to the initiative. L'interaction qui existe entre le choléra et les problèmes de périphérique, c'est essentiellement la maladie du périphérique numéro 1 et surtout les maladies respiratoires aussi, parce que les gens pensent tout le temps que les problèmes périphériques c'est uniquement les problèmes de diarrhée, mais aussi ça entraîne des problèmes de respiratoires, parce que quand les gens font des déjections un peu partout avec les phénomènes d'évaporation, il y a la poussière et puis les gens peuvent l'inhaler et avoir secondairement des affections respiratoires. Et c'est des choses que nous rencontrons très souvent ici. Parce que pour les filles, la traîne n'est pas trop mettre. Parce que la nappe n'est pas trop. Il faut des moyens pour que faire les la traîne. Donc, moi, je suis à mon toilette sur pilote. Toilette sur pilote, c'est un inconvénient. Parce que en automne, il y a un assainissement. Andul aussi à Kouergouyara. Def na fi ay douche yo xamné
amatul genn ci biti genn poti sambu diko tour ci geejgi ndax loolu lañ doon gis mba ci mbalit mi loolu yépp fem def nako fi waye xamna nek tok ba nek kilifa di yor satala di dem all ba ni di la gis bo toge be gisato nit koku di yor satala bo bokke ak mom bo bokul ak mom kon nga mëna sante yalla du deug douzi ndirign la fi am ndax ñi doon walli yaan ci keri jaamuri ñi ko am yi walli daat sen douzi lañu yépp kon ku wax ne douzi amul ndirign da nga fekk nekut sa côté waye ñu ni nga xamné dañu amone ay douzi te dekk ak ño xamné amuñu douzi buñu amé douzi yoyu be tay gisatuñu leen kon ndirign kessé mo fi né man damay faral di wax itam buma doon xalé te nekkon ku wér suma wéron sax dina bok ci projet bi parce que gis na ci ndirign bo xamé né ñi ci yëngu yépp ñu am jom lañu ben douzi mo ci nekko mais biñ amé projet toilette ci lañ daanel douzi duggu koñ bi mu nekkon falé boru mbalem la nekkon ñu duggu fofu kër gu fa nekk ñu défar fofu du toilette bu kër yépp daanaka fofu mom presque ñi fi amul douzi bari defena ñepp am nañ fofu douzi li tax ñu daanel douzi bi dañu dem bo gis né douzi bi fi mu nekk ci geej gi arrangé wul ni wër gu yaramu doomu adamay té fi tubaab yi dañ fi ñew té loolu yépp ci sét la bokk xam nga ku ñew bo ci dëkk bi fi tefes bi nga fekk douzi bi ñu tabax ci booru geej gi ni ci dem Allah xam nga yow buñ la fi jaayé jënd saxel bu démé ci loolu do ko nango jënd da ngay yaakar né mën na am jënd yi fi la nit ñi di nappé motax douzi bi ñu éliminé ko tax arrangé wul wër gu yaram doomu adamay ndax yi jënd yi lek li fi né lekatuñ ko té nit ñi koy lek ndax jëm amul place amul fu mu yëm mëno wax né jënd yi may lek jogé wuñ ci douzi ndax ci geej gi lañuy jogé té douzi bam amé bétay la douzi yoyu daan kan gisatu len kon ñu nit lekatu ñu lo xamé ni amna sobe ngir douz yoyu le niveau de ce village là en matière d'assainissement a vraiment beaucoup s'est beaucoup amélioré avec l'implantation de ces latrines mais surtout avec aussi la mise en place d'un dispositif de ramassage des ordures ménagères qu'on a installé ici water governance community and participatory management of water resources. The setting up of standpipes and taps in the compounds was managed by resource committees. Agro-biodiversity. The program backed the market gardening activities by providing support for the reforestation activities and the purchase of grid fences, basins and gardening accessories. Various vegetables were grown, cabbage, carrots, turnips, cucumber, and lettuce to name but a no buñu béyé buñu paré légui comité bobu moy yoré walu njaay bi buñu njaay ba paré buñu génné sen ndox lo bénn bu nek 30 000 nga ci génné def ko mu remboursement bi 30 000 20 000 moy déluat ci projet bi 10 000 5 000 bén bi moy démat ci lo gouta goudi pour réparation bi benen 5000 bi mom dañ la ko defal par compte lek bo fayé sa ndox ba paré nak lénen lu ci dess comité jox la li nga déssé et par ñu dañuy boba dañuy ub ben compte bo xamanténi bi né compte bobu dëkk bi mo koy mom biñ ko tamlé di liggéey té installé fi ay gouta goudi lég ci la ko wa gërëm ñëwé gis liggéey bobu né liggéey bi doxna ñu ñom ci lañ fi financer benen tool bo xamanténi bi né 2 hectares demi la ñu war ko collectiver war ci installé ay gouta gout la gouta gout bi moy nek liguey bo xamanteni bi ne mo gëna yombal liguey bi ndax gouta gout yi mom bo fekkentene bo installer nga ko di nga ci mëna bay li nga bëgg bay te du la téy da ngay dox say soxla yi nga xamanteni bi mom ngay amé ak yenen liguey ce programme a contribué à améliorer le bien-être des populations puisque avec le gain de temps ainsi occasionné, les femmes ont pu s'adonner à d'autres activités. D'abord, leurs soins corporels, s'occuper des enfants, faire des activités génératrices de revenus leur ont permis de participer à l'amélioration même de l'alimentation de la maison.
Donc vraiment c'est un programme, bon, il y a également l'aspect santé pour ce qui concerne des projets d'assainissement. Les latrines qui ont été installées notamment dans les îles du Salon ont permis de lutter contre le péril fécal, également de diminuer les maladies diarrhéiques et les maladies liées à l'eau d'une manière générale. L'autre leçon à tirer, c'est que la collaboration entre les services techniques qui ont piloté tout le volet de l'île avec les populations a été très fructueuse puisque elle a permis d'éviter des erreurs sur ces populations qui devaient exécuter directement ces projets. L'aspect technique, l'aspect renforcement de capacité a été piloté par les services techniques. C'est l'occasion pour notre Côte de les remercier très sincèrement pour cet aspect-là. CWI partners at the local and international levels. The government of Luxembourg funded the project through its Ministry of Foreign Affairs and made the Community Water Initiative implementation possible. Collaboration between the Community Water Initiative and Global Environment Facility has been an asset for the program implementation. The Senegalese national and decentralized authorities have vowed to remain committed. By providing clean water and sanitation to communities, the Community Water Initiative restored the people's dignity. Don't do it, don't do it, don't do it, don't do it.